La création de l'Association des Sénats d'Afrique se dessine à l'horizon. Réunis à Yamoussoukro à l'occasion du colloque international des Sénats d'Afrique, plusieurs présidents de Sénats africains ont marqué leur enthousiasme face à la naissance de cette institution panafricaine. Les présidents du Sénat de la Namibie, de Madagascar, du Gabon et celui du Congo ont salué cette initiative portée par la Côte d'Ivoire à travers la présidente Kandia Camara. C'était à l'occasion de la cérémonie d'ouverture de la deuxième session ordinaire du Sénat de Côte d'Ivoire et celle du colloque international des Sénats d'Afrique à la Fondation Félix Houphouët-Boigny de Yamoussoukro. Chers collègues, nous devrons être déterminés à penser ensemble le format adéquat de la mutualisation de nos visions politiques en matière d'élaboration de nos stratégies relatives aux objectifs de développement durable des Sénats d'Afrique en faisant aboutir le projet de création de l'Association des Sénats d'Afrique. Ensemble, nous pouvons et nous devons surmonter les défis communs et élaborer des stratégies pour améliorer nos pratiques parlementaires afin d'infléchir sérieusement et positivement les politiques de construction de nos pays. En tant qu'invité d'honneur, le président du Sénat de la République française, Gérard Larcher, et le vice-président de la République de Côte d'Ivoire, président de la cérémonie, ont à leur tour salué l'initiative. Ce que vous accomplissez ici, Yamoussoukro, constitue peut-être un grand rêve. Mais il s'agit indubitablement d'une grande action. Oui, une grande action pour demain. En référence au grand dessein que vous accomplissez, en référence à ce jour d'ouverture de la session parlementaire du Sénat ivoirien, sur le chemin de l'instauration de l'Association des Sénats d'Afrique, nous pourrons demain déclarer, je le crois avec fierté, le 10 octobre 2024, oui, le 10 octobre 2024, nous étions ensemble à Yamoussoukro. Il vous revient donc, à vos parlementaires, de promouvoir cette institution auprès de nos concitoyens et de veiller à ce qu'elle joue pleinement son rôle dans le renforcement de la gouvernance démocratique. Ce défi ne pourra être relevé qu'à travers une collaboration accrue entre nos chambres hautes. L'idée de Sénat et l'expérience sénatoriale en Afrique, c'est le thème de cette grande rencontre qui se tient sur 2 jours. Ce colloque s'achèvera avec l'adoption d'une résolution visant à poser les bases de la future Association des Sénats d'Afrique, une nouvelle dynamique qui promet de renforcer la coopération et le dialogue interparlementaire.